Tu partais, vas-y. Moi, de pour chose, tu me tues. J'ai fait pas à toi, c'est le rhume. Quand on a un petit problème ici, ta grand-mère pond, ton père ramasse. J'ai déjà insulté ta mère un jour. Si, n'est-ce pas, un jour, j'avais dit que. Ouais, c'est pas possible. Que ton mari. C'est pas possible. Les hommes trop parler, c'est maladie. Les hommes ne parlent pas beaucoup, donc moi, ils réagissent. Les hommes donnent de l'argent aux femmes. Donnez, 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 redonnez. Donne-moi l'argent, tu ne peux pas me donner l'argent, tu pars. Laisse mon babadak dans mes oreilles. Problème de conception de machines industrielles. Une seule adresse, Génère Énergie. Ici, il y a un problème grave, bro. Il y a quoi? Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas, il y a quoi? Tu te mets un peu de commode comme ça, là, toi, tu veux m'embrouiller, il y a quoi? Tu sais que non, je ne voulais pas entrer dans le mood des boys, non. Parce que moi, je n'aime pas la vie, là. Ah. Mais là, maintenant, j'en ai marre. Mais là, tu veux quoi? Je veux que tu m'aides pour un problème très, très délicat. Entre toi et moi. Parce que moi, je voulais que tu appelles tes gars qui sont. Mais laisse les gars, là, tu vois. Je veux qu'on gère le business à deux ensemble. Tu as dit, petit frère, moi, il n'y a pas de problème. Même si on est de la catégorie, nous sommes les amis, non, c'est quoi? Je vais te faire un truc. Hein. Bref, c'est pas ça le problème. La seule chose que je veux, tu vois, j'ai mon père là-bas à la maison. Un père que ma mère ramassait dans la rue. Un gigolo. Maintenant, moi, je ne suis pas content de sa présence à la maison. Entre temps, je veux qu'il parte de la maison. Je veux que toi et moi, on organise la graisse. Tu veux qu'elle est nappe? Tu dis? Tu veux qu'elle est nappe? Le nappe. Tu veux qu'elle est nappe? Oui, oui, nappe. Oui, nappe-le. Ouais, si tu veux gérer le retour, moi, petit frère, tu dois d'abord tirer le filon. Tiens, non. Le filon, c'est tu quoi? Dois d'abord tirer le filon. Tiens, non. Est-ce que tu as avec moi? Sois clair, le filon, c'est quoi, non? Le banga. Le banga? Si tu veux que je vienne gérer ton retour, tu gères d'abord le banga. Tu es avec moi. Le banga nuit gravement la santé. Dégage alors, tu es un bourdman. Le problème, c'est que le banga. Tu es un bourdman, petit frère. Tu veux gérer le retour alors que tu es un bourdman, petit frère. Quitte-moi là-haut de chez moi comme ça. Là, ça va, ça va. Je vais tirer. Voilà. Mais le problème, c'est que moi, je veux qu'il parte. Le gars n'a même plus peur de nous, hein. Il n'a même plus peur de nous. Mon père est décédé, il a laissé les biens. Le gars, maintenant, lui, vient amouracher ma mère au salon carrément. Il n'a même plus honte. Non, le problème c'est que non, il ne peut pas venir à moi. Maman, t'es là, c'est quoi? Ne crie pas là dans mes oreilles, va doucement, non? C'est quoi l'idée que t'es agressif? T'as dit qu'on va gérer, non? Oh, non, pour l'argent, on est pas l'argent. Toi, tu m'en comptes, je veux qu'on joue le business ensemble. Okay, c'est qui me n'est-ce que. On va d'abord, tu dis d'abord ça, ton père. Ceux qui n'ont pas les problèmes dans leur vie, hein. Ceux qui n'ont pas les problèmes dans leur vie, c'est que eux ils dorment. Il y a qui ne payent jamais l'électricité, jamais, ils ne peuvent même pas louer une maison. Ils viennent ronfler sur la propriété de mon père. Le drap que mon père a couché avec ma mère. Pour son ventre de bois sur ça. Il ne peut pas se passer comme ça. C'est ça, une personne qui n'a même pas les problèmes. Il dort et ronfle. C'est pour mettre de l'eau pour qu'il baisse son gros ventre là. Parce que je ne suis pas un criminel.
donne, ça c'est le bitaco là qui le rend fort. Donc ça c'est son totem. J'ai vu son système maintenant. D'accord. Tu es fort, je serai fort. Tu manges, je mange. Et rentre même doucement. Je me lave, pardon. Ah, ce n'est qu'à couper l'eau. Comment ça, non? Ouais, dans mon Dieu, arrête ça. Arrête, pardon. Arrête. Tu dors dans la chambre, tu dors au salon. Tu veux qu'elle dorme où? Attends, tu dors dans la chambre, tu dors au salon, tu veux qu'elle dorme où? Voilà la facture d'eau qui est arrivée. La facture de la lumière est arrivée. Non, pour toi, tu veux qu'elle paye tellement la facture l'eau. Moi, tu es un truc bête, je paye le riz. Moi, hein? Wow, je paye le truc. Est-ce que c'est moi qui paye souvent ça là-bas? Donc, on ne dit pas uniquement de l'amour et de l'eau, c'est je suis fatiguée. Je suis fatiguée que tous les jours on soit ensemble, tu me distrais avec... Ça va, laisse. Oh. Ouais, c'est comment? Le dernier dit que je veux plus te voir avec le parapluie au pied, non? Avec quoi? Ça, c'est quoi? Tu mets le parapluie, vous m'en comment? On te demande d'assumer tes responsabilités, tu parles de mes vêtements. Bon, tu vas essayer de payer l'eau. Pardon, tu me sautes un petit coquille. Tu vois comment on écrase le coquille et on saute seulement. Tu vois le genre là, on bouge ça comme l'haricot, on saute le coquille. Tu passes toutes tes commandes là, tu donnes seulement l'argent. C'est ça, non? Si tu me donnes plus la ration dans la maison, cela, ce sera le croque-mort. Donc on va faire le carême forcé pour faire donner l'argent à mes enfants et pas te marier le pain chargé à la boutique. Que le continuer à te nourrir tous les jours et te nourrir tous les jours. Tu bavardes alors que tu as déjà pris l'argent. Comment tu fais les choses comme ça là? Que quoi? Tu bavardes alors que tu as déjà pris l'argent. Prends de l'argent où? Non, j'avais 3000 ici dans mes poches. Tu bavardes quoi? Attends. Ouais, comment j'avais 3000 ici? Depuis quand il fouille tes poches dans vous? Je n'ai pas dit que tu as fouillé, j'ai dit que tu as mis la main dedans. Je mets la main dedans, je prends par rapport à quoi? Depuis quand? J'apprends ça où et quand? Comment? Donc ce que je vivais là, c'était pas le rêve. Hey, pardon, ne m'amène pas ça. Pardon. Pardon, tout sauf ça. J'ai rêvé que quand on me fouillait, j'ai cru que c'est toi qui voulais arrêter mon truc pour qu'on fasse un truc. J'ai cru que c'est toi qui voulais arrêter. Et je ne me suis pas réveillé parce que c'était bon. Maintenant, je ne vois pas l'argent comment. Viens, pardon. Si tu as pris, prends 2000 dollars à 1000 francs. Donc, s'il te plaît, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. S'il te plaît, là où tu me vois là, je suis énervé hein, pour que tu ne connais pas. Ne viens pas me faire tes grimaces de chaque fois là. C'est que ça doit être un Manu ou je ne sais pas qui c'est. Manu? Je ne sais pas qui c'est. Manu, viens. Viens d'abord. Manu, ton pantalon. Ta mère, le parapluie, toi, tu as la basse. C'est quoi ici dedans? Tu m'as fouillé. Prends-toi ici. Prends comme t'as fait match vite. Tu sais que quoi, je suis ton père. C'est quoi, tu me fais pourquoi? Place-toi jusqu'à ce que je te vois bien. Place-toi comme ça. Place-toi comme ça. Tu vois ce que ton mari fait? Qui m'a fouillé? Il te fouille souvent. Ça doit être la première fois. Qui m'a fouillé? Je croyais pas. Tu restes souvent avec qui? Tu m'as demandé 300 hier. J'ai dit pour le mal. Je ne te donne pas. Du maintenant, mon argent disparaît. C'est le mal dont on a fait le retour là-bas. Tu m'as refusé. Quelqu'un d'autre a pris. C'est pas moi qui ai pris. Tu vois tes enfants, non? Non, moi, s'il te plaît. Mes enfants ne volent pas. Donc moi, depuis que tu es dans cette maison, voilà bientôt 3 mois. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu perds l'argent? Pourquoi c'est quand je te demande de payer une facture que tu perds l'argent? Jacob! Hey!
tu as une passion pour la nourriture. Mais tu n'as pas une passion pour le vol. Si toi, tu m'as fouillé, donne 2000 à ta mère, tu me donnes 1000 francs. Là, on reste les bons amis. Sinon, en sa présence, je vais te boxer. Accuse-moi une fois que j'ai pris ton argent. Tu as pris, donne-moi. Est-ce que tu as pu tourner? Tu tournes. Tu m'avais jeté fouillé. Donne-moi l'argent là, donne-moi. On veut payer l'eau. Et il parle de 3000 francs. Maman ramène les sommes d'argent ici à la maison tous les jours, on ne peut pas compter. Tu connais la valeur de 3000 francs à un homme. Donne 3000 à sa femme avant mon cœur. Il y a 3000 avec tout ce qu'il a fait, c'est 3000 que tu te plais. Tu sais ce que le cœur, ce que ça représente quand tu as donné 3000. Donc s'il te plaît. Si tu as pris l'argent. Donc ça va. Ok, même la facture tu ne payes plus. Laisse mes enfants tranquilles. Même la ration ne donne plus. Laisse mes enfants tranquilles. Mes enfants ne volent pas dans moi. Mes enfants ne volent pas. Je dis, je suis en train de devenir quoi? Maltance. Tu te dis le fou. Tu t'es appelé seulement Dieu. Tu as oublié d'appeler la Tifa. Appelle aussi la Tifa, non? Mais tu t'es où? Mais tu t'es où? Je marche avec elle. Elle est sortie. La Tifa est où? Je ne croyais pas. On me fait comme ça que c'est elle qui m'a fouillé. Moi, parce qu'elle ne parle pas, mais elle réagit. La Tifa ne parle pas, elle réagit. Manu, allez-y. La foule va bientôt te prendre. Tiens. C'est ce que tu venais faire chez moi. Tu venais faire chez moi, mettre mes enfants au tribunal pour dire qu'ils ont volé l'argent. C'est un caprice. Parce que t'es demandé de gérer une sortie d'eau. C'est pas une facture. Tu mets mes enfants au tribunal. Si ils volent, on ne prend pas, on ne cherche pas. Demain, ils vont te voler aussi. Moi, j'ai dit que j'avais 3000. J'ai entendu miou. J'ai cru que c'est toi qui étais en train de me faire les caresses. J'ai crié. Et même dans le sommet, si la femme prend l'engagement de te faire un truc comme ça là, tu enlèves que tu es qui? C'est pour ça que je ne l'ai pas enlevé. Donc je blague. Ouais. Pour 3000, on va crier. Je t'ai dit de laisser. Vas-y, tu partais, non? Pas là où tu partais. Bon, ça va, j'ai compris. Donc 500, je prends. Ta grand-mère pond, tu as compris? Ta grand-mère pond. Prends. Donc pour 500, la grand-mère de quelqu'un pond les œufs. Donne-moi 500. Bon, si ma grand-mère pense que c'est ton grand-père qui ramasse, c'est même pas parce qu'on a un problème que tu as ajouté ma grand-mère. Je n'ai aucun problème avec toi. Une grand-mère pond les œufs, ça sort. Je n'ai aucun problème avec toi. T'as dit que mes factures, laisse, ne les gère pas. Je ne suis plus au niveau des factures. Quand une grand-mère pond les œufs, ça sort que pour. Ouais, s'il te plaît, laisse le débat là. Tu peux partir. Tu partais, non? Tu partais, vas-y. Moi, de pour chose, tu m'études. J'ai fait pas à toi, c'est le rhume. Quand on a un petit problème ici, ta grand-mère pond, ton père ramasse, j'ai déjà ajouté ta mère un jour. Si, n'est-ce pas, un jour, j'avais dit que. Ouais, c'est pas possible. Que ton mari. C'est pas possible. Nous devons trop parler de cette maladie. Les hommes ne parlent pas beaucoup, donc moi, ils réagissent. Les hommes donnent de l'argent aux femmes. Donnez et redonnez. Donne-moi l'argent, tu ne peux pas me donner l'argent, tu pars. Laisse mon babadat dans mes oreilles. J'ai compris. Faisons donc un coup, tu me donnes l'argent. Comment on fait, tu me donnes l'argent. Sors. C'est pas que. Donc, sors. Problème. Donc, tu as de me chasser de toi. Donc, sors. Et moi, on me parle de sort, comme si je n'avais même pas la femme. Je laisse ma femme et mes enfants. Je viens ici, les garçons me chauffent. Va les retrouver. Tu connais plus la route de chez toi. Tu ne connais plus la route de chez toi. Va les retrouver. Tu laisses ta femme et tes enfants. Tu es perdu. Tu t'es garé. Tu t'es garé pour te retrouver ici. Va retrouver ta femme et tes enfants. Caprice. La façon dont une veuve parle comme toi. On dirait que c'est toi qui as tué ton mari et ça me fait pas. Non, non, je l'ai tué. Bon, tu as compris. C'était mon mari, non? C'était ton frère. C'était ton frère, on dirait que c'est toi qui as tué ton mari. Quand on y a ce bon, je suis le B. Dès que le nia finit, tu demandes l'argent, il n'y a pas. Je suis le gros porc, ou bien ma grand-mère va pondre, ou bien je suis un vieux champ. Le romantisme va finir. Je vais chercher l'argent. Tu m'appelles B, tu vas me dire comment ma grand-mère pondre jusqu'à tu voyais. Tu peux chercher ton argent jusqu'à certains 1000 francs. Depuis que j'étais dans la maison, c'est là. J'étais là, tu avais un billet de 1000 francs. Je vais chercher l'argent. C'est moi qui ai tué mon mari, mais tous les jours tu dors sur son lit. Celui, c'est lui qui a fabriqué ça. C'est lui qui a acheté le matelas. Tu le dis, tu dors, que tu ronfles, ça ne te dit rien. Chouin.
Lève-toi. Oh. Ouais, mon grand. Le gros ventre qui l'a tout mal. C'est pas que je mange avec ça. Je sais. Tu veux que tu confies son ventre là? Tu veux te donner pourquoi même non? Papa, il est pompé alors. Ça va, j'ai compris. C'est bon. Belle forme, 10 pompes. Je dois te faire, papa. Fais alors, descends. Des pompes de commando, mon frère. Des pompes de commando. Papa, je... Oui, papa, tu m'as été fier, non? Jacob, je suis ton père, non, papa? Tu es le père de qui? Ouais, mon père. Tu m'as été fier, non? Tu es le père de qui? Je te couma, ici, là. Non, ne me couma pas, papa, pardon. Si tu me comprenais, tu quittais la maison de mon père. Bon, bah non. Non, je vais quitter, je vais quitter ça, mon père. Je vais quitter, je vais quitter. Je vais quitter. Ouais. Je vais quitter, papa. Lève-toi. Assieds-toi. Pourquoi faire les abdos? Hein? Pourquoi faire les abdos? Ouais, Jacob, pourquoi faire les abdos? Je vais la balle finie. Tu vas rajouter la merde que tu as mangé là, ça va finir. Fais les abdos. Papa, je rentre. Fais les abdos, mets la main comme ça. Ouf. Mets la main comme ça. Voilà, descends. Descends. Descends alors. Descends. Ouais, mon père, descends. Tu peux poser ça, mon père. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Mets les mains derrière la tête. Non, j'appelle moi direct. Mets les mains derrière la tête. Je vais te tuer, tu me connais. Oui, je te connais. Tu vas quitter la maison là. Non, je quitte maintenant. Je ne parle plus là-bas maintenant. Tu vas quitter la maison là. Je suis déjà même quitté, papa. Je suis. D'accord, je parle. Il m'appelle pas. Il m'appelle pas. Combien de personnes il a tué? Non, papa. Ne me compte pas parmi. Papa, pardon. Fais les abdos alors. Oui, deux, parce que. Ah! Ouh! Je vais percer ton gros ventre là. Si je perds, c'est parce que tu laisses. Mets la main derrière la tête. Je sais déjà, je ça. Papa, quand il descend, alors. Quand il descend, il vomit. Tu n'as pas expliqué qui est celui-là. Ouais, fais ton travail, non, tu es payé pour ça, non. Ne parle pas mal. Jacob. Ne parle pas Jacob, mal. Jacob, on discute le soir ensemble, papa. Tu croyais que c'est... Oui. Tu vas quitter. Je suis déjà quitté. Frère, je suis déjà quitté depuis, ouais. La dernière fois que tu te vois là-bas. Oui, papa, je suis quitté depuis. Je suis déjà quitté, je suis déjà debout. Lève-toi. Je suis debout. Lève-toi alors. Je suis déjà, lève-toi, m'appelle père. Mais tu veux ton anus, ça ne m'appelle pas. Ouais, mon père. Lève-toi. Tu connais faire les monkeys. Hey! D'accord, bon. Tu veux quitter, Fais d'abord trois monkeys. Tu m'as venu. Hey, fais blague comme ça là. Mais tu fais la bouche. Ouf. C'est le pas monkey. C'est mon cher. Je vais venir. Passe encore dans le carrefour là. Oh, va chez toi, non, tu ne vas plus vivre. J'arrive chez toi ce soir. Est-ce que tu as compris? Je rentre au village, t'es noyé comme des sangs, tu vas toucher le sol. Tu connais le mambo, tu connais les œuvres. Oh. Tiens!